Le secrétaire d'État américain John Kerry est attendu à Kigali ce soir pour prendre part aux négociations sur la protection de la couche d'ozone. Les experts du monde entier sont réunis au Rwanda pour négocier un amendement au traité de Montréal. Cet accord est le plus grand succès dans la lutte contre le changement climatique à ce jour. Les délégués voudraient maintenant amender ce traité pour y inclure les hydrofluorocarbones, les HFC. Ces gaz à effet de serre sont utilisés par les réfrigérateurs, les inhalateurs et climatiseurs. Les experts disent que la réduction des émissions de HFC pourrait permettre de réduire le réchauffement d'un demi-degré Celsius. L'amendement fait consensus, mais les délégués ne sont pas d'accord sur la date d'entrée en vigueur de telles restrictions. Nous devons accélérer sur le changement climatique et nous devons être ambitieux. Et honnêtement, personne ne nous pardonnera si nous ne sommes pas capables de trouver un compromis lors de cette conférence parce que c'est le moyen le moins cher. La réduction des émissions de HFC, aussi vite que possible, rendrait le monde plus sûr et plus prospère. Nous ne pouvons pas nous contenter de quelques petits progrès quand il est en notre pouvoir de résoudre les problèmes. Il faut s'attaquer au changement climatique.